Bon ok, l'aventure à 100 millions de kamas commence à devenir un peu longue. Je pense que... Alors... Moi j'aimerais bien avoir le pouvoir de me téléporter. Si je prenais rendez-vous à l'orthophoniste, ça prendrait beaucoup moins de temps, ça c'est sûr et certain. À mon avis, vu mon état actuel, je pense que je risque de faire un AVC avant d'avoir terminé l'objectif 100 millions de kamas. Mais bon bref, on fait une pause sur les ouvertures de coffres songes parce que là, il n'y aura plus de kamas nulle part. Alors oui, ce truc est un gouffre financier, mais une source de plaisir, vraiment. Une robe, vraiment. Alors oui, je suis pas toujours très lucide sur l'ouverture des coffres songes, je pense toujours que c'est rentable alors que pas du tout. Mais c'est bien le principe d'une addiction, et oui, j'y suis addict. Donc les gars, s'il y a 150 gems sous cette vidéo, je m'engage à vous faire un opening de 20 millions. Ce qui veut dire que je vais devoir me casser la tête à trouver 20 millions, et en plus je vais les redépenser directement. Abonne-toi tout de suite. Voilà, là ce que je suis en train de te montrer, c'est les statistiques des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées. Et comme vous pouvez le voir, ces statistiques ne sont pas très cohérentes avec ce que j'aimerais. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, bel et talon. Bon allez, on se retrouve directement sur Orucam, le serveur sur lequel je fais mon aventure 100 millions de kamas. Voilà, personne ne m'a contacté pour me faire un don de 100 millions de kamas, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais bon, que des rats dans la communauté, donc on peut rien tirer. Donc je sais plus, dans la dernière vidéo, à combien est-ce que j'étais de kamas. Ici, pas de spoil, je suis à 14 millions, presque 5. Donc en vrai, je fais mon petit bonhomme de chemin, je suis pas encore rendu au 1/5e. On en est même encore un peu loin d'ailleurs, vu la vitesse à laquelle je progresse, mais les gars... J'ai passé des échéances qui étaient très importantes pour moi IRL, puisque oui, on peut vivre IRL. Donc, je vais pouvoir m'y atteler un peu plus et avoir un peu plus de temps à consacrer à ça. Donc, pour l'instant, je suis sur du 14M5. Mon inventaire, c'est quasiment... Je suis quasiment tout nu, quoi. On va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je continue de faire mes petites rondes quand même pour ramasser un peu de bois. J'ai quelques runes ici, je savais même pas. Donc, on peut monter à du 15 millions de kamas. On va faire le petit tour des HDV, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ça. À mon avis, à l'HDV des runes, je dois avoir peut-être pour 200 ou 300 000, je sais même pas. 200 000, ok. Donc j'ai quelques petites runes, en vrai j'ai de quoi vendre encore un petit peu. Je pense que je vais pouvoir monter à 15M. Ça, je vais les récupérer, je les mettrai hors vidéo. Comme ça, on arrivera tranquillement aux 15 millions petit à petit. Donc ça, c'est une très bonne affaire. Au niveau des cosmétiques, ici, à mon avis, je dois avoir 2-3 petits trucs à traîner. Pas grand chose à mon avis, mais toujours de quoi me faire un peu de kama. Ok, on est sur du 600 000, j'ai pas grand chose, mais bon, si jamais ça part les gars, pourquoi pas, je sais pas où je vais en venir, donc voilà, peut-être que ça partira. Je remontre un petit peu la douille de l'année, c'est-à-dire qu'ici j'ai un bouclier divin avec un bouclier colo, donc vous voyez ici, je peux faire gérer l'objet, apparence, voilà, rien ne se passe, dissocier, rien ne se passe, nourrir, je peux pas le nourrir non plus. Hop, rien ne se passe, voilà. Donc en fait, les gars, je pensais avoir trouvé une affaire, j'avais acheté un bouclier écolo, j'avais même pas capté qu'il y avait un boubou divin dessus. Pour l'explication, le bouclier divin qui est en dessous, en fait, avant c'était un item que l'on pouvait placer, comme par exemple le bouclier bouffe-tout, et désormais c'est devenu un item d'apparat. Donc ça, en fait, c'est quelqu'un qui, à l'époque, vraiment je pense il y a méga longtemps, il a dû mettre un bouclier divin avec un bouclier écolo dessus, sauf qu'entre-temps, le bouclier divin est devenu un item cosmétique, donc maintenant je peux plus y dissocier, donc je me retrouve avec un item où c'est littéralement une belle douille. Donc, en fait là je pourrais ramasser 5, 6, 700 000 de kamas en plus, on va pas se mentir, mais je suis littéralement bloqué, voilà. Donc, quoi faire? 1 million, voilà, j'ai encore plus le seum quand je vois ça. Bon bref, si quelqu'un veut me l'acheter au prix de 15 millions, il n'y a aucun souci les gars, offre, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous le vendre à ce prix là. Ensuite, au niveau de l'HDV des créatures, on va faire le tour les gars, c'est le point, c'est normal, on fait le tour d'un petit peu tout. Ici, j'ai un petit chacha blanc, voilà, bon pas grand chose hein, les gars, mais bon c'est toujours ça à prendre. Et au niveau de l'HDV des équipements, on est sur pas grand chose, je crois. Je vais avoir. Ouais, j'ai une cape Fulgu et une cape Tofufu. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais, ma cape Tofufu, je l'ai fait en vidéo, les gars. Elle est complètement éclatée. 92 d'agilité en plus. C'est littéralement un massacre. Voilà, comment massacrer un item. Appelez-moi, je vous le fais en 2 spi. Ça coûte rien. J'ai une petite puissante ceinture Fulgu ici, les gars, aussi. Donc, on va attendre tranquillement que ça se vende. Et voilà. Voilà où on en est, je ramasse du bois à peu près tous les jours, un petit peu, j'essaye de me focus sur le tremble, même si honnêtement les gars, il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup de bottes aussi, donc toutes ces petites raclures les gars, je suis pressé que ça dégage, on va pas se mentir, tous les bottes c'est vraiment un enfer sur le jeu,
Il n'y a rien de pire. Tous les bois en BC, les bois de merisier, c'est sur du 2010, donc autant vous dire que ça pue le caca aussi. J'ai un peu de ressources que je pourrais vendre, c'est vrai. Mais voilà. Donc en gros, si je vends tout, j'arrive à un peu plus de 15 millions de kamas. On va peut-être être sur du 15 millions 5 à peu près, un truc comme ça. Donc là, il va falloir que je trouve des petites astuces. Des petites astuces pour essayer de me refaire un petit peu, de gratter un peu de marge. Donc déjà, ce que je vais faire en vous parlant, c'est que je vais aller à l'HDV des équipements. Voilà, très très simple. Et je vais consulter par exemple les boucliers. Tiens, on va voir s'il y a des boucliers avec lesquels je pourrais trouver un bel item d'appart dessus. On sait jamais, des fois ça peut marcher, des fois non. Des fois on tombe sur des bonnes surprises, donc voilà. On a le temps de vous parler. Donc là, l'idée, c'est que c'est une vidéo très très simple. Ok, c'est quoi ça? Conculier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Concu, je vais marquer ça. On ira checker ensemble après. Bon, l'idée, les gars, ouais, c'est comme je disais, c'est de faire une petite vidéo simple histoire de vous faire un petit peu le tour de ce que j'ai et puis de vous faire un point sur cette avancée. Donc, comme je vous ai dit juste avant, je joue quasiment plus dessus, mais je vais m'y remettre. Et donc, il va falloir que je trouve des astuces Kama. Donc, à mon avis, ça va partir sur du craft FM de certains items. N'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, si vous avez quelques petites bonnes astuces sur les serveurs multicomptes, moi, je suis complètement preneur, les gars. Parce que là, en fait, les 100 millions, je commence à me dire que ça va être un peu long. Mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras. Croyez-moi, y a toujours moyen que je tape un BMF de fou. Maintenant que j'ai un peu plus de cash ici, 14 millions, je me dis que je peux trouver des fois des bonnes offres ici. Donc, je regarde un petit peu de temps en temps. Après, je connais plus trop l'économie ici, puisque je navigue en fait entre Draconiros et ici. Donc vous voyez les gars, je peux pas forcément connaître l'économie de tout, sachant que je joue pas non plus énormément. Donc là vous voyez, il y a un gars qui est en train de proposer une petite offre. Je suis à deux doigts de me jeter dessus comme un gros mongol. Le bouclier colo vaut 1 million. Les DD, c'est des DD normales. J'ai envie de lui dire... Allez, je vais faire mon gros requin, je vais dire 1 million, voir s'il accepte. Voilà, je sais que c'est les gens que je déteste, mais qui ne tente rien n'a rien. Et au pire, si ça embête juste une personne, j'en ai rien à foutre. Voilà, quand c'est le 10 League. Bonjour à toi. Voilà, tu vois, quelqu'un de très gentil qui t'insulte pas, moi je l'aurais insulté. Directement, les gars, ça serait pas passé par quatre chemins. Je déteste les gens comme moi qui font ça, mais bon. En tout cas, il y a quelques affaires à faire quand même. Des fois je regarde, il y a des petits items qui valent le coup d'être achetés puis d'être remis en vente. Alors souvent je focus des items qui sont beaucoup joués quand même, histoire d'être sûr que ça parte quand même derrière. Mais voilà, bon, pour l'instant je stagne un petit peu. J'avais fait quelques petites bonnes offres il n'y a pas longtemps et je sais plus comment j'ai perdu ces kamas. Voilà, donc je vous le dis comme ça. Mais prochainement, en tout cas, je pense que je vais vous proposer des petits contenus sur ce serveur là. Et vous allez voir les gars, à mon avis, ça va brasser. Là, ça va brasser du kama. Ça va être bien. Je compte vous refaire aussi des vidéos avec un peu plus de travail. En fait, des vidéos montées de A à Z, entre guillemets. Où je vous raconte, pourquoi pas, des périodes de Dofus qui m'ont marqué. Donc ça, j'ai besoin de vous en commentaire pour me dire si ça vous plaît. Moi, c'est des trucs que j'adore faire. Mais par contre, les gars, ça me prend une blinde de temps. C'est terrible. Donc voilà. Si vous êtes resté jusque-là dans la vidéo... N'hésitez pas à me faire un don. Voilà, sur Eurocam, je suis complètement preneur. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, je suis preneur, mais non. On va pas faire ça, on va pas partir sur ça. Étant donné les différents problèmes que j'ai eus vis-à-vis de la dernière vidéo concernant l'espace commentaire, étant donné qu'il y avait beaucoup de mots non adaptés à YouTube, je vous propose qu'on parte sur quelque chose de chill. On va se mettre en commentaire, pourquoi pas, le mot flanc pruneau. Tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en inscrivant dans l'espace commentaire flanc pruneau et je saurai que vous êtes les meilleurs. Voilà. Et si t'es resté jusque-là, bah, j'espère déjà que t'es abonné parce que sinon, c'est vraiment que t'es une ordure. Gros bisous et à la prochaine.